En fait, on s'aperçoit que les équipes, quand ils se retrouvent ici, ils vont vous donner le ballon à un joueur là. Là, vous avez des attaquants comme ça. Et si vous restez en place, ça. Par contre, si vous montez, voilà, vous mettez hors jeu. La deuxième chose qu'on faisait, c'est vrai, c'est un ballon en retrait d'un milieu de terrain, par exemple, et l'attaquant, ouais, on chassait le joueur là. Et bien sûr, c'est ce que j'appelle la défense active. Pendant le temps où le joueur peut pas jouer face à lui, là on monte. Et donc, c'est vrai que c'est très. Alors, bien sûr, il est hors jeu, il ne va pas se remettre. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que pour un attaquant.